Et attention, alors là c'est parti, et là ça déconne plus, ça déconne zéro. Les deux joueurs sont chauds, les deux joueurs sont déjà montés en plus, donc pas besoin de round d'observation, ça part tout de suite. Alors tout de suite là c'est des échanges blow by blow, hein, des échanges chacun fait son attaque, c'est plutôt équilibré pour le moment. Les très légers avantages pour Luigi, mais déjà c'est terminé. Ah l'attention, Luigi est déjà... Ah et voilà Luigi qui perd un stock dès le début d'un mot qui est très très chaud. Hein. Et Luigi n'est pas... Et voilà, c'est le coup classique. Hein. Bon, j'ignore toujours le l'appellation, mais le coup... Le petit trick qui permet de remporter une victoire comme celle-ci. Ça continue donc les échanges sur un rythme effréné, mais un rythme assez égal finalement. Ah, oh là là, oh là là, ouh là là, ça c'était un très très beau sauvetage, c'était absolument sublime. Ok, à ce moment-là, on serre les fesses. Hein. Donc là, on se retrouve avec finalement Peach qui commence à pas mal voler dans les airs. Donc là, on a Luigi qui finalement commence son jeu de surtout beaucoup bouger devant derrière toutes les solutions. Les Peach qui ne se laissent absolument pas faire. Oh, magnifique coup de poil. Oh là 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 là, ah, ça va être pas évident. Non, elle ne sortira pas vivante de cet échange. Est-ce qu'il va réussir à gratter suffisamment? Oh, c'est magnifique. Très très joli, 0%. Chacun, ils sont coude à coude avec deux stocks. Et c'est reparti pour un tour. Le petit truc à salade de Peach qui fait très 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 mal. Oh là 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 là, on commence à prendre l'avantage. La Luigi qui est en train de se faire un petit peu. Mais il ne se laisse pas faire pour autant. Oh là là, est-ce que c'est... Oh là 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 là, une mort de Luigi qui commence à... Qui prend du retard là, qui prend beaucoup de retard. Il va falloir se ressaisir si... reprendre cette vie d'écart à Peach, sachant que lui il n'a plus qu'un stock, donc c'est vraiment le tout pour le tout là. Ouh là là, c'était chaud là, c'était très très chaud pour lui. C'était déjà chaud au départ et la température augmente quelques centaines de degrés d'un coup. Ah, il a peut-être une opportunité pour supprimer la vie d'écart. Non, il est déjà à 83%, ça va vraiment être très compliqué s'il peut revenir dans ce match. Game. Voilà pour le temps de Damo avec sa pique. Et ça, est-ce que ça redémarre? Oui, ça redémarre de façon similaire. Yoshi's Island, Yoshi's Story, le niveau. Et c'est parti pour un tour. Déjà le premier coup. Le premier coup, beaucoup d'ouverture. À chaque ouverture, une ouverture avec le coup de salade, le coup de pied. Qui est vers le C en bas de Peach. Forcément plus ça, Luigi qui est déjà 111%. Aïe aïe aïe, est-ce que ce soit pas le mental qui est en train de craquer là, la fatigue qui commence à s'accumuler. Ah là là, 133%, c'est déjà très parti pour Luigi qui perd sa première vie alors que Peach n'en est qu'à 24%. Aïe 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 aïe. C'est dur pour Luigi. Et voilà le coup de salade qui revient. 66% contre 52% seulement. Est-ce que Luigi va réussir à se ressaisir et réussir à s'imposer? C'est pas mal ça, c'est vous voyez là. Ah là là, mais Peach répond, Peach est présente, hein, Peach ne laisse pas faire. Pas beaucoup de radis depuis le début de cette partie. Beaucoup, une Peach beaucoup plus offensive, beaucoup plus collée à Luigi. Ah là là, avec un très beau jouage. Ah là là, là là là. Et voilà, plus que deux stocks contre 4. Ah là, ça va être vraiment difficile. Hein. Vraiment survie et qui commence un peu à s'effondrer sous les pressions de Peach. Il a réussi à l'envoyer, là peut-être qu'il va réussir à lui prendre un stock, mais là c'est vraiment compliqué. Ah là là, il a fait une esquive en l'air et c'était pas bon. Ah là 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 là. C'est un peu la...
la déchéance, j'ai envie de dire. C'est vraiment dommage parce qu'il pouvait vraiment maîtriser ce combat de bout en bout. Mais malheureusement, la pitch s'est révélée bien supérieure avec une technique assez différente de ce qu'elle avait utilisé. Du coup, ça l'a peut-être un petit peu. Ça l'a peut-être un petit peu déstabilisé. Alors. Voilà, du coup, c'est Peach qui remporte cette deuxième partie, 2-0 pour Damo. Magnifique partie de la part de Peach, hein, qui s'est trouvée extrêmement solide du début à la fin.